Je vais mettre au milieu. Dans le milieu. Oui. Hola YouTube, bienvenue sur la chaîne Grain de Beauté. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo un peu classique pour vous présenter les différents produits que j'ai terminés. Je suis désolée, j'ai ma machine qui est en train de terminer. J'espère que ce sera pas trop dérangeant. On en a pour un bon 10 minutes. Ça va être casse-couille en fait. Ouais, je suis comme ça, j'ai choisi de faire la vidéo au moment où ma machine à laver est allumée. Donc le premier produit que je vous présente, c'est un masque pour les cheveux, c'est la marque L'Oréal. C'est le masque Dream Long Mask SOS pour cheveux longs et abîmés. C'est un flacon de 310 ml. Je remarque que maintenant, ils font tous les mêmes packaging, la même forme et tout. Pourquoi changer comme ça? Bon, il est formulé à base d'huile de ricin et de kératine végétale. Je ne sais plus où est-ce que je l'avais trouvé. Les points positifs de ce truc, c'est qu'effectivement, il sent super méga bon. Et ça, c'est vraiment le point essentiel de ce masque. Je l'ai longtemps utilisé pour faire mes recettes maison de masques à base de vinaigre, etc. Rien qu'à sentir l'odeur, ça me rappelle mes recettes maison. J'ai bien aimé ce masque. Par contre, je ne lui ai pas trouvé quelque chose de transcendant, un truc hyper spécifique. Est-ce qu'il se démarque des autres? Pas forcément. Est-ce que je serai amenée à le racheter? C'est possible, mais je ne vais pas aller vers lui parce qu'il m'a fait un truc de ouf dans les cheveux. Non, il faisait son job, il démêlait mes cheveux, ni plus ni moins. Est-ce qu'il vient réparer comme ça et maintenir le cheveu long en bonne santé? Eh bien, non. Pas plus que ça. Cheveux longs et abîmés, répare intensément pour des cheveux comme neufs, c'est bidon, ça reste que du marketing, sans plus. Ah oui, juste avant de continuer la vidéo, il faut savoir que j'ai un type de boucle 2B, 2C. Je vous explique votre type de boucle dans cette vidéo-là. Le type de cheveux de ma fille, c'est 3B, 3C, pour vous donner une petite idée de nos exigences finalement. Ensuite, je vous présente un produit de chez Bouclem que je présente en deux. C'est ma fille qui l'a découpé pour pouvoir ragrainer et récupérer vraiment la fin du produit. C'est vrai que à ce prix-là, honnêtement, on n'a pas envie de gâcher ce produit. Il faut savoir que Bouclem, je vous en avais déjà parlé plusieurs fois dans des produits terminés. Et puis, je sais pas, je pense pas vous avoir fait une vidéo focus Bouclem. J'ai d'ailleurs une invitation à un événement Bouclem. Je ne sais pas encore si je vais y aller. Et si j'y vais, j'essaierai de filmer comme ça quelques petites parties. Et j'irai avec ma fille. On verra. Je ne suis pas trop fan de ce genre d'événement. Mais bon, pourquoi pas. J'ai pas mal utilisé ce produit. Mais c'est ma fille qui a fini par le terminer. Effectivement, comme les trois produits Bouclem finalement. En fait, mes cheveux sont beaucoup trop fins et légers pour supporter ces produits qui sont trop riches. Et donc l'effet que ça faisait, ça venait alourdir ma boucle et donner un effet poisseux. Donc ce produit, j'avais trouvé une solution pour l'utiliser, c'est-à-dire que j'en mettais qu'une seule fois par semaine, c'est-à-dire le jour de mon shampoing, lorsque mes cheveux ne sont pas saturés en gras, en saleté, etc. Là, ça pouvait passer, mais impossible d'utiliser ça sur ma routine semaine. À ce prix-là, honnêtement, je n'investis pas dans un produit que je ne peux pas utiliser au quotidien pour venir reformer mes boucles. C'est mort. Ce produit n'a absolument pas fait le job pour ma part. Par contre, ma fille les a adorés parce qu'effectivement, il venait vraiment bien dessiner ses cheveux, bien les définir. Elle les a kiffés. Voilà, elle pouvait l'utiliser plus souvent que moi. Et le petit bémol que je vous ai déjà exposé dans les autres vidéos, c'est l'odeur, c'est-à-dire que ça ne sent pas la barbe à papa comme le packaging pourrait le faire penser. Ça sent la menthe et c'est une odeur qui reste dans les cheveux. Insupportable. Comme c'est une odeur entêtante, je me suis très vite lassée et limite ça me dégoûtait de sentir l'odeur des produits. Ensuite, je vous présente le leave-in de chez Curlala. C'est le premier produit de la marque Unjackies que j'ai acheté. C'est un produit spécifique pour les curl and coils, c'est-à-dire pour venir définir et dessiner vos boucles. J'ai mis
énormément de temps à terminer ce truc, d'autant plus qu'on était deux dessus, moi et ma fille. Donc ma fille l'a aimé, mais elle l'a mis de côté assez vite. Et moi, j'ai bien aimé l'utiliser parce qu'effectivement, il avait une texture un petit peu... gélatineux, c'est pas le mot, mais qui se tenait, je sais pas comment expliquer, c'était vraiment une texture un petit peu compacte comme ça, avec une odeur de malade. J'ai kiffé. Ça sent quoi? Ça sent le sucre, la crème au sucre, voilà, une odeur hyper gourmande, hyper sucrée, hyper agréable, qui restait un petit peu dans les cheveux. J'ai surkiffé utiliser ce produit, donc effectivement, ça peut être un produit que je peux racheter assez facilement, et si vous avez la même nature de cheveux que moi, ça peut être un produit qui vous convient, tout simplement. Cette fois-ci, je vous présente un produit de chez She Moisture. C'est le Living Conditioner. C'est le produit le plus connu chez She Moisture. C'est un produit que j'ai bien aimé et que ma fille a plutôt bien aimé également. C'est un produit que je peux vous conseiller, effectivement, qui fait le taf. Mais voilà, ni plus ni moins. Toujours dans la marque She Moisture, cette fois-ci je vous présente le Curl Enhancing Smoothing Silk Protein, donc protéine de soie, et Neem Oil. Je ne sais plus ce que c'est, Neem Oil. Bref, hydrate et définit les cheveux bouclés. Et ici c'était un espèce de, comment dire, une crème un peu en gelée, un peu compacte également, avec une odeur de malade, hyper gourmande. Ma machine... Pour le coup, pour définir mes boucles, j'ai largement préféré le Enhancing Smoothing que le Living Conditioner. Ce produit-là était un peu plus léger, un petit peu plus aérien au niveau de mes cheveux, plus agréable, et l'odeur était bien différente. Ouais, ici ça sent les bonbons un petit peu acidulés comme ça, donc voilà, rien que pour l'odeur, je préfère largement ce produit que je peux effectivement racheter assez facilement, et encore plus facilement puisque maintenant on trouve la marque She Moisture chez Carrefour. J'ai trois huiles à vous présenter. J'ai l'huile d'argan végétal, l'huile d'amande douce, où il m'en reste un petit peu d'ailleurs, et l'huile de moutarde. L'huile de moutarde, je vous en parlais dans ma dernière vidéo où je vous expliquais comment j'ai réussi à refaire pousser mes cheveux. Effectivement, j'utilise de l'huile de moutarde toutes les semaines avant mon shampoing, et j'adore cette huile. Vous la trouvez sur Aromazone et elle est vraiment pas chère et plutôt efficace, donc je vous la conseille vivement. L'amande douce, c'est une huile à tout faire que j'utilise dans tout. Je l'utilise pour ma peau, pour mes cheveux, pour toutes mes petites recettes maison. Je l'adore et elle convient aussi bien à moi que à ma fille qui a une peau à tendance atopique. C'est un indispensable que j'ai déjà racheté d'ailleurs, donc top. Et la dernière huile, c'est l'huile végétale d'argan. Je l'ai achetée pourquoi? Parce qu'elle est conseillée pour les peaux matures et fatiguées, comme je peux l'avoir. Je ne sais pas si ça se voit, mais j'ai 38 ans et je suis exténuée en ce moment. Bref, je dors très très mal. Voilà, vous savez tout. Régénérante et nourrissante, je me suis dit, vu que j'adore les huiles, pourquoi pas essayer une huile qui cible un petit peu les différents problèmes qui se posent à moi. J'avoue que je suis un petit peu mitigé parce que je n'ai pas constaté de vrai avant après utilisation de l'huile d'argan. Je l'ai surtout utilisé pour les cheveux et le visage, et je l'ai dernièrement fini dans un produit, une recette maison démaquillante que je vous présenterai prochainement sur la chaîne. J'ai du mal à différencier par exemple l'huile d'amande douce et l'huile d'argan. Pour moi c'est un petit peu kiff kiff, c'est un petit peu équivalent, donc je ne pense pas racheter l'huile d'argan pour le moment. Je ne sais plus quel est le prix sur Aromazone, mais il semble qu'elle est à peu près entre 7 et 12 euros, si je dis pas de bêtises. Et vu l'utilisation que j'en fais, elle part vite et donc ça revient cher. Donc autant me diriger vers une huile qui me coûte moins cher et qui a les mêmes bienfaits. Enfin, les mêmes bienfaits. Qui aura la même utilisation finalement. Ici, j'ai deux démaquillants à vous présenter. J'ai le premier de la
marque Pulpe de Vie et l'autre c'est la marque Jeanzac. À défaut de ne plus pouvoir utiliser et trouver le seau bioéthique à l'huile d'argan que j'utilisais pendant des années, voilà, on ne le trouve plus et j'essaye de trouver son remplaçant. Je cherche sans vraiment être satisfaite. Le Pulpe de Vie, je l'ai micellaire démaquillante bio, j'ai pas kiffé parce que je trouvais qu'il était pas assez démaquillant et surtout il n'y avait pas cette espèce de confort après le démaquillage, donc j'ai pas trop aimé et je ne le rachèterai pas. Il démaquille, il fait son taf, mais il le fait pas à 100% et il le fait pas comme le seau bioéthique, donc ça pouvait pas me plaire, tu vois. Le Jeanzac, pour le coup, c'est les laboratoires Léa Nature, donc la même marque que le seau bioéthique. Et il est totalement bio, zéro alcool, zéro savon, zéro sulfate. Bref, j'ai pas plus adhéré que ça. Je l'ai bien, mais pas waouh. Et à la fois, il est pas assez confortable, je trouve, au niveau du démaquillage. Donc, je le rachèterai pas spécialement. Ensuite, je vous présente une huile essentielle de lavande apaisante et réparatrice. J'ai réussi à finir ce petit tube. L'huile essentielle de lavande, c'est indispensable pour moi, pour mes cosmétiques faits maison, pour justement pour les produits cosmétiques ainsi que pour les produits ménagers. La lavande, elle sert à tout. Elle sert à venir apaiser, elle vient soigner, elle est tellement efficace d'ailleurs qu'ils ont la bonne idée de vouloir l'interdire au niveau européen. Je crois. Vous savez que Big Pharma n'aime pas les produits qui fonctionnent et qui sont connus et reconnus. La lavande en fait partie, donc je vous conseille de faire un vrai stock d'huile essentielle de lavande. Elle est géniale même pour éloigner les insectes par exemple. Bref, elle est géniale pour tout, pour désodoriser, pour donner une petite odeur sympa et tout. Bref, j'adore pour tous les jours, toute l'année. Top. J'ai un produit soin de la marque Elisa Jones Laboratoire. C'est une copine qui m'a conseillé cette marque que l'on trouve chez Action. Je vous expliquais que étant donné l'âge qui avance comme ça, j'ai besoin de venir maximiser les soins pour ma peau, pour la déshydratation de ma peau, pour le côté un petit peu anti-rides, etc. Et donc j'ai voulu tester d'introduire de l'acide hyaluronique pur dans mes soins. On en trouve facilement chez Action pour 3 fois rien, donc je me suis dit bah tiens, allez hop, on va tester. Honnêtement, je n'ai pas trouvé qu'il y avait un vrai bénéfice à introduire de l'acide hyaluronique dans mes produits pour la peau, dans mes produits anti-âge. Donc personnellement, pour moi aujourd'hui, ça ne fonctionne pas plus que ça. Avec ou sans, en fait, je vois pas la différence. Je vois pas l'intérêt d'utiliser de l'acide hyaluronique dans mes cosmétiques. Je pense que j'ai peut-être soit pas une peau assez avancée pour en voir les bénéfices, ou peut-être que je n'ai pas ce besoin spécifique à l'heure actuelle. Donc, voilà ce que je peux vous dire de ce produit. Je sais que ma copine l'adore. Donc, comme quoi, on a vraiment des attentes bien différentes. Enfin, on termine la vidéo avec que des produits siennes, je sais pas comment ça se dit, de la marque de chez Lidl. Je me suis dit, bah tiens, c'est petit prix, on va tester. Ici, je vous présente le sérum de la marque Sel Intense à l'acide hyaluronique, sérum visage, tout type de peau, vegan, blablabla. C'est un sérum de 30 ml et vous pouvez voir que j'en ai déjà deux de terminés. J'ai adoré ce sérum de par le confort, de par la texture, de par le côté agréable à utiliser. Effectivement, il me convient vraiment très bien pour un côté confortable et facile à utiliser, donc top. Je vous présente la crème de jour et la crème de nuit de la marque Sien, donc Sel Intense à l'acide hyaluronique. J'ai adoré utiliser ces produits. Ils sont petit prix, ils sont agréables, ils ne laissent pas de film gras sur ma peau, ils sont confortables, je peux facilement me maquiller derrière et au niveau de l'odeur, ça sent un petit peu la Nivea. J'adore,
Pour moi, ce sont d'excellents produits, hyper abordables et pour le moment, ils conviennent plutôt très bien à ma peau. Voilà YouTube, j'ai terminé avec cette vidéo produit terminée. J'espère que ça a pu vous donner des petites informations et vous aider dans le choix de vos achats. N'oubliez pas de liker la vidéo, de partager, de commenter. Je vous attends dans les coms et n'oubliez pas surtout de vous abonner à ma chaîne parce que ça y est, on a dépassé les 44 500. Donc merci infiniment à toutes celles et ceux qui me suivent, voilà, qui sont fidèles à ma chaîne. Je vous en remercie parce que vraiment ça me donne de la force et ça m'aide à faire sauter le shadowban qui sévit encore actuellement sur ma chaîne YouTube. Bref, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à tout de suite dans les coms et en attendant, prenez soin de vous. Bisous.